En juillet 2010, le gouvernement du Mali a porté sur les fonts baptismaux l'Agence de l'environnement et du développement durable sous la forme d'un établissement public à caractère administratif. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, a créé l'Agence de l'environnement et du développement durable en juillet 2010. Et l'une des missions essentielles de l'agence est la promotion du développement durable. Et pour effectivement mener à bien cette mission, nous avons bien voulu effectivement informer la population, toutes les catégories d'acteurs, sur les bonnes pratiques en matière de développement durable. Le développement durable n'est ni plus ni moins qu'un développement qui prend en compte les questions liées à l'économie, les questions liées à l'environnement et les questions liées au développement social. Dans notre pays, il existe bel et bien de très bonnes expériences en la matière. Donc, dans la mission de l'agence de promotion du développement durable, il faut passer obligatoirement par l'information de la population. D'autres missions de l'agence portent sur la protection et la coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement, l'intégration des questions environnementales dans les politiques sectorielles, la coordination de la mise en œuvre des accords multilatéraux ratifiés, signés et ratifiés par notre pays. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'informer, c'est de communiquer. Dans notre pays, il y a plus de 200 textes législatifs et réglementaires qui traitent des questions environnementales. Mais cela n'a pas suffi à arrêter la dégradation de l'environnement au niveau rural et la détérioration des conditions de vie au niveau urbain. Donc, chaque fois qu'il est nécessaire effectivement d'informer la population sur les bonnes pratiques qui existent, je crois que il faut effectivement aller dans ce sens. C'est dans ce cadre qu'elle s'investit dans la promotion des bonnes pratiques à travers des initiatives dont la réplication est possible à large échelle. Tel est le cas du champ modèle de Mambi Fofana à côté de Bamako et de la communauté de Badjari dans la région de Mopti. Voilà ce à quoi ressemblait ce qui est devenu maintenant une véritable forêt. Une superficie de 2 hectares, auparavant latéritique, donc totalement improductive. Nous sommes à Mamaribougou, à moins de 20 km de Bamako, dans les monts Mandeng, sur la propriété de Mambi Fofana. Ingénieur des eaux et forêts, M. Fofana est un adepte du développement durable. Il nous donne les raisons à la base de son initiative originale. J'ai opté pour le développement rural, mais je me suis dit que les conditions sahéliennes sont telles que on doit imprimer obligatoirement le caractère du développement durable à tout ce que nous entreprenons dans ce cadre-là. Et pour ce faire, il fallait à titre expérimental essayer de voir comment on peut faire en sorte que, même à une petite échelle, l'on puisse reproduire les principes du développement durable. C'est un processus de longue haleine parce que je suis là-dessus depuis 17 ans. J'ai essayé, avec l'appui d'amis et de la famille, de contrôler un certain nombre de facteurs qui inhibent généralement la production agricole au Sahel, notamment le sol, parce que nos sols sont généralement des sols pauvres, parce que c'est des sols ferrugineux tropicaux. Ici, rien que des techniques d'une grande simplicité. Le compostage, les demi-nulnes, les étages, l'exploitation de la chaîne alimentaire. J'ai essayé de faire un processus permanent de refertilisation du sol à partir du compostage. Et aussi, il y a l'eau, donc on a essayé de contrôler l'eau en essayant de ceinturer le champ avec une digue en terre. Qui a été renforcé par du matériel biologique pour faire en sorte que toute goutte d'eau qui tombe dans le champ ne puisse plus ressortir. Donc, en plus de cela, il y a la qualité du matériel génétique que j'utilise ici, notamment les variétés que j'utilise, qui sont des variétés très performantes. Et
Il y a aussi certains facteurs climatiques que j'essaie de contrôler, notamment le régime violent des vents. Donc, en essayant d'encercler le champ avec un brise-vent au nord et à l'est, et la haie en plusieurs arrangées sur les deux autres côtés. Et le dernier facteur que j'essaie de contrôler, qui est un élément climatique aussi, c'est en fait qui est la pluviométrie. Hein. Bon, comme on ne peut pas contrôler la pluviométrie en tant que telle, mais la pluviométrie, c'est pour l'apport d'eau. Donc, comme je l'avais dit, j'ai essayé de contrôler l'apport d'eau. Et avec les diguettes aussi qui sont tout autour et les cuvettes tout autour des arbres, j'ai essayé de contrôler l'érosion pour pouvoir la réduire au strict minimum. Effectivement, imprimer dans tout ce que nous entreprenons le caractère de développement durable. Parce que c'est d'abord un problème de comportement et de conviction. Hein? Parce que sur cette ferme, comme vous avez constaté, même le bois de consommation est produit directement ici. Ça fait 15 ans maintenant que je n'ai jamais tiré d'une forêt naturelle un seul morceau de bois pour en faire du bois énergie à la maison. Donc tout peut être utilisé de façon efficiente et de façon à ce que le cycle de reproduction puisse s'inscrire dans la durée. Ici, nous sommes à Badjari, à 12 bornes de Douanzan, dans la région de Mopti. Enclavé dans les falaises, le village vit dans un environnement austère. Pas de route, pas d'école, pas de dispensaire et pour téléphoner, il faut escalader la montagne. Ici, plus que jamais, l'équation de la propriété foncière est une réalité. Badjari est sur un espace qui lui a été prêté et chaque année, il est obligé d'en faire la reconnaissance symbolique. Les populations ont depuis toujours conscience de l'adversité et ont décidé d'exploiter tous les atouts en leur faveur. Ici, tout est géré avec une grande rationalité. Par exemple, personne ne peut se permettre d'agresser les ressources que constituent les acacias. On ne grimpe pas sur un arbre pour faire tomber les fruits, mais on peut ramasser autant qu'on veut si le vent en fait tomber. La police forestière locale est très efficace. Et les villageois sont aussi organisés en association, le BEM, qui a bénéficié de l'accompagnement d'un projet canadien. En Côte d'Ivoire et à Sikasso, il pleut beaucoup grâce à l'abondance des arbres. C'est pourquoi notre association se mobilise pour lutter contre la coupe du bois. Nous avons envisagé à notre niveau des amendements qui vont de l'abattement de l'animal pour les éleveurs au paiement de 25 000 francs CFA pour les autres contrevenants. Cet encadrement a porté des fruits, car la différence est perceptible à vue d'œil entre le terroir de Badjari et les villages voisins. À Badjari, il y a encore de grands arbres. La terre est verte, les hommes peuvent cultiver et les animaux ont de bons pâturages naturels. Mais il y a plus. À Badjari, il y a des banques de céréales et des banques de gènes, comme pour dire que le savoir endogène doit être préservé et transmis. La conservation de ces gènes constitue des bonnes pratiques d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. En matière d'appropriation du concept de développement durable par rapport aux zones d'intervention dans lesquelles nous intervenons, et nos communautés, à travers notre approche qui est surtout axée sur la valorisation et la conservation durable de la biodiversité agricole, donc un concept qui demande à valoriser le savoir-faire local, surtout en matière de pratiques culturelles. Donc dans ce sens, tout ce que nous faisons sont des activités qui sont pilotées par les communautés et avec l'appui conseil des services techniques. Et dans la matière, nous avons eu à élaborer un protocole de collaboration avec deux directions, notamment la direction régionale du service d'agriculture de Mopti
et la direction régionale du service des eaux et forêts au niveau de Mopti, de manière à ce que tout ce qui est fait par les paysans puisse être accompagné avec l'appui conseil et l'expertise de ces services techniques. Parce que notre niche est surtout axée sur l'agriculture durable. Donc quand on parle de l'agriculture durable, pour nous, c'est une agriculture sans apport de produits chimiques. C'est-à-dire on n'apporte pas d'intrants chimiques tels que les engrais, on ne fait pas de traitement avec les produits chimiques. Donc tout ce que nous utilisons, c'est la matière organique. Et en matière de traitement aussi, nous conseillons beaucoup l'utilisation des biopesticides. Dans la matière même, nous avons eu à former tous les paysans dans les zones d'intervention sur la fabrication et l'utilisation durable de la fumure organique à travers les fosses compostières et aussi l'utilisation des biopesticides aussi avec lesquels nous sommes en collaboration avec l'Hyper Isfra de Katibougou. Et pour renforcer ce travail de conservation durable, nous travaillons également avec les institutions de recherche et les universités. Et en termes d'institutions de recherche, nous travaillons avec l'IER, qui est l'Institut d'économie rurale. Et en termes d'université, nous travaillons avec l'Université de Bamako et puis l'Institut polytechnique rural de Katibougou. Je pense qu'au niveau local, ça marche parce que là même, nous sommes en train de faire l'interview. Ça témoigne parce qu'il faut regarder la différence entre le terroir du chef-lieu cercle de Douaza et le terroir villageois du village dans lequel nous venons de quitter, notamment le village de Badjari. Donc la différence est très nette. D'un côté, c'est-à-dire le côté qui appartient à la commune rurale de Douaza, presque il n'y a pas d'arbres qui existent, tout est élagué. On ne peut même pas prétendre à une régénération naturelle, à moins que ça ne soit les graines qui sortent des déchets des animaux. Sinon, dire que les arbres vont fructifier et que les fruits vont tomber et pousser, ça n'existe plus parce que les arbres sont totalement élagués. Mais par contre, quand on regarde l'autre côté, qui est le terroir villageois de Badjari, un village qui a reçu l'appui accompagnement du projet pendant plus d'une vingtaine d'années, on sent quand même qu'il y a toute une organisation qui a été mise en place par les communautés villageoises dans le cadre de la protection de l'environnement. Ce qui fait aujourd'hui, les arbres ne sont pas élagués, les espèces autochtones existent. La notion de développement durable prend en compte plusieurs paramètres. La satisfaction des besoins des générations actuelles sans compromettre la vie des générations futures.